Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui, l'Elohim Nishmat Klot Shlomo Ben Shalom, David Ben Zortuna Mazal Fritna, Lucien Batarina. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Sota, Perek, Zain, Mishnah Gimel, Mikra, Bikurim, Keitzad, Ve'anita, Ve'amarta, Lifne Hashem, Elohecha, Ule'alan, Omer, Ve'anu, Aleviim, Ve'ameru, Mani Amura, Le'alan, Bilshon HaKodesh, Afkan, Bilshon HaKodesh. On a ouvert dans ce chapitre Zain, le sujet de différentes séquences de la Torah où il faut déclarer des choses. Est-ce que ces choses-là doivent être déclarées en Lashon HaKodesh ou est-ce qu'on peut le dire dans toutes les langues? Alors, on avait appris dans la mission précédente une série de halakhot sur lesquelles on insiste de le dire en hébreu. En l'occurrence, le premier qui était évoqué, c'était Mikra Bikurim. Le fait de lire les Bikurim, c'est quoi le Mikra Bikurim? Tous les ans, chaque fois qu'on va avoir des prémices qui vont commencer à pousser, alors on partait, on descendait dans le champ, on voyait qu'il y avait déjà dans la vigne la première grappe, on mettait un petit siman, kosher begemi. Les gens disent que c'est un fil rouge, je ne sais pas d'où vient ce fil rouge, il y a marqué gemi dans la Mishnah, c'est un fil naturel. Toutes les gananotes disent aux enfants qu'on apprend avec le fil rouge, je ne sais pas d'où c'est venu. En tout cas, on marque les nouveaux fruits qui vont être les bikurim. Et puis, on attend que ça pousse, ça va être dans les 7 fruits d'Israël, bien sûr, idem aussi pour les olives, on en prend après, on va organiser un panier, et puis on va le monter à Yerushalayim, et là-bas, on va dire, après à partir de Shavuot jusqu'à Sukkot, c'était la période où il fallait les amener, et on les a portés tous en groupe, avec toute la ville, et il fallait, là-bas, les amener devant le Beth Amikdash, devant le Misbéach, on les a portés au Misbéach, et on déclarait tout un texte qu'il fallait dire ensuite de Arami Ovedavi, en reconnaissant Hachem, que toi, Hachem, tu nous as sauvés depuis toujours, depuis que Lavan, il a poursuivi Yaakov, et puis après, on est arrivé, lorsqu'on est arrivé en Égypte, on était sur le point de se faire exterminer, puis finalement, tu es venu, tu nous as sauvés, et tu nous as amenés pour nous donner cette belle terre d'Eretz Israël, et maintenant, j'ai apporté les fruits d'Eretz Israël, d'accord? C'est tout le texte qui a rapporté, ouvre dans Parchat Kitavo, depuis le Pasuk, Vanita, Vamanta, Aram, Yovedavi, Vered Misran, Vaygorcham, Mibnemat, et ainsi de suite. Et ça, c'est donc la paracha de Bikurim. Cette paracha de Bikurim, la Mishnah me dit qu'il faut le dire nécessairement en Lashon HaKodesh, en hébreu. C'est d'où on apprend ça. Mikra Bikurim Keitzad, la lecture du texte des Bikurim, la déclaration qu'on fait sur le Bikurim. Keitzad. Keitzad, ça veut dire pas comment. Ça veut pas dire comment se présente le cas, mais plutôt quelle est la source qu'il faut le dire nécessairement en Lashon HaKodesh, en hébreu. Alors, le pasouk nous dit, Ve'anita ve'amarta lifne Hashem Elohecha. Le pasouk me dit, quand on a introduit la parasha de Bikurim, la parasha de Kitavo là-bas, Dvarim Kavav, il me dit, Ve'anita, tu répondras et tu diras devant Hashem, et tu diras ainsi de suite. On apprend le fait que la Torah a utilisé le Ve'anita ve'amarta. On apprend, où l'Alan ou Omer, et plus loin, il va répéter le même terme, c'est où plus loin? Cette fois-ci, on a des parashat aussi, Kitavo, mais un tout petit peu plus loin, le périk d'après. Là-bas, il y a écrit « Ve'anu aleviim ve'ameru » et les Leviim répondront. Le mot de « Ve'anu ve'amru »« Ve'anu ve'amru »« Ve'anita ve'amarta » est une source de plusieurs halakhot qu'on va voir dans ce chapitre. On va déduire du fait qu'il y a écrit « Ve'anita ve'amarta » et tu répondras et tu diras. Or, dans la... Ça, c'est dit dans le Bikurim, et c'est aussi en parallèle avec ce qui a été dit dans les brachot ou klalot, qu'on va voir en Bezat Hashem, plus longuement dans la Mishnah Hei, les brachot ou klalot, très succinctement, lorsqu'il est le béni, ça sont rentrés dans Israël, ils sont partis dans un endroit, à Har Gerizim et Har Eval, et là-bas, ils ont dit des klalot, comme ce qu'on verra, les klalot pour celui qui va transgresser la Torah, c'est la parole des klalot de Kitavo. Mais expliquera ensuite plus longuement, Bezat Hashem, donc ils sont partis là-bas, et la Torah indique que Ve'anu alevim vamru. Les Levim répondront, or, ils répondent à aucune question. Donc de là, c'est déduit que le fait, qu'on déduit que Vano Levim, comme de là-bas, on parle forcément que c'était en Lachon à Kodesh, parce que on apprend qu'il y a écrit Kol Ram, là-bas intérieurement, on verra tout dans le psukim de là-bas, il écrit Kol Ram, Ve Elohim Yaninu Bekol, Hachem Orsina, il a parlé au Bénisraël en utilisant le mot Kol, de là on va déduire que le mot Kol, ça implique le Lachon à Kodesh, et du fait qu'il y a écrit Vano Levim, on va le réapprendre maintenant pour le Mikra Bikurim Vanita Vermanta. Donc, Ma le Alan, Mania Mura le Alan, Bilshon HaKodesh,
au même titre que le terme de ania, c'est-à-dire de répondre, de déclarer, dans un sens, qui a été dit là-bas dans le Brachot, c'était en Lashon HaKodesh, c'était avec Davka de l'hébreu, eh bien, Afkan Bilashon HaKodesh, idem aussi pour le Mikra Bikurim, il faut nécessairement le dire en Lashon HaKodesh. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sela.